Nous sommes dans les allées de cette 39e édition de la foire de Bourail. Cette année, on sent que tout ce qui touche à l'agriculture bio, naturelle ou raisonnable a été particulièrement mis en avant. Alors du coup, coup de projecteur sur vous, Christiane Ban. Oui, bonjour. Vous êtes agricultrice depuis 10 ans. Comment est-ce que vous travaillez ? En fait, je travaille mes produits de façon naturelle. Naturelle comme du compost. J'apporte beaucoup de paillage. Et alors, comment est-ce que vous vendez votre marchandise ? Est-ce que vous passez par des grossistes ? Non, ce n'est pas notre circuit. Nous, on fait plutôt le direct avec des consommateurs. Et alors, vous vendez aux particuliers sous forme de panier, comme celui qu'on a là devant nous ? Oui, c'est à peu près comme ça, le volume. Plus de 4 kilos quand même, à 3000 francs à peu près. Et alors, vous avez une liste d'attente ? Est-ce que vous démarchez les gens ? Comment ça se passe ? En fait, on a une mail list. Et il y a aussi le bouche à oreille. Et puis, on s'entraide aussi entre producteurs, des fois, parce que beaucoup de consommateurs sont en attente. Donc, parfois, il arrive aussi que mes produits, je fournis à notre producteur quoi, pour combler ses paniers. Outre l'agriculture naturelle, on parle aussi d'agriculture bio et d'agriculture responsable. Quelle est la différence entre ces trois agricultures ? On en parle avec vous, Anne-Julie. Vous représentez l'agriculture responsable. L'agriculture responsable, c'est un signe officiel de qualité, au même titre que l'agriculture biologique. L'agriculture responsable est une démarche volontaire d'un producteur qui souhaite limiter au maximum son impact sur l'environnement. C'est une gestion globale de l'exploitation et on est là pour les y aider. Tout simplement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que vous jouez un petit peu sur les quantités, qu'au final il reste quand même pas mal de chimiques dans les produits responsables ? C'est vrai que l'agriculture responsable ne bannit pas le traitement. On essaye, on les accompagne avec notre équipe technique pour limiter au maximum, pour leur proposer des solutions alternatives. Mais au même titre que nous, comme nous sommes malades, nous essayons par une alimentation équilibrée avec des huiles essentielles ou autre chose de se soigner. Quand vraiment on est malade, on part chez le médecin et on prend des molécules chimiques avec les médicaments. L'agriculture responsable, c'est à peu près la même chose. On limite au maximum, mais quand le producteur va perdre son revenu à la fin du mois, il traite mais à bon escient. Est-ce que vous sentez qu'il y a une poussée des consommateurs pour manger mieux ? Et depuis quand le constatez-vous ? Alors moi, je le ressens, je le constate depuis assez longtemps parce que je suis vraiment orientée dans cette démarche depuis plus d'une dizaine d'années. Ici, en Calédonie, je sens que ça change. Les générations qui arrivent, les plus jeunes, même 25-40 ans, ont pris conscience de ça. Je sens aussi une peur, une angoisse par rapport à l'importation de produits. Parce que comme il n'y a pas de traçabilité, on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été traité. Et je sens qu'il y a vraiment des gens qui se disent il faut consommer local et des gens qui se rapprochent de leurs producteurs, qui se rapprochent de leurs artisans parce qu'ils ont une relation de confiance qui s'installe. Et je crois que c'est ça qui est important et qu'il faut retenir aujourd'hui. Dernier focus sur l'agriculture biologique. Franck, vous êtes issu de l'agriculture conventionnelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre ce tournant du bio ? Ben, c'est pas bien compliqué. Pour moi, c'est l'avenir de l'agriculture. C'est vers là qu'on doit aller. Très concrètement, quelles sont les solutions pour manger bio toute l'année ? Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir un maximum de choix. Oui, évidemment, il faut bien se dire que si on veut manger bio, on ne va pas pouvoir manger de tout toute l'année. Malgré qu'on ait la chance en Calédonie de ne pas avoir une saisonnalité très marquée. Toute l'année, on va pouvoir avoir du concombre en Calédonie. C'est des choses qui viennent bien. Les cucurbitacées en général, donc c'est de la famille du concombre. Les courgettes. Et après, il y a d'autres, par exemple les melons, vous allez les faire à la période sèche. Et comment ça se passe au niveau de la distribution de vos produits ? Eh ben, le bio est tout neuf en Calédonie. Hein, ça vient de démarrer, donc ce n'est pas encore organisé. C'est en train de se mettre en place tout doucement. Je pense qu'avec le temps et les volumes de produits qui vont arriver, ça va s'éclaircir. La conscience écologique est en plein éveil en Calédonie. En l'espace de 7 ans, le nombre d'agriculteurs certifiés en bio est passé de 0 à 79. Un signe encourageant pour la qualité des produits locaux.